now with me. Oriental poison. Yo tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien, comment ça va, nickel. Aujourd'hui on se trouve sur Bus Simulator 16. Abdel l'avait fait, je voulais le faire aussi, mais j'étais trop fatigué donc je suis allé dormir. Non, leur dis pas ça, ne mens pas, hein. Il voulait faire la vidéo avec moi mais il était carrément mort. Je lui dis non, tu dégages, tu vas dormir. Voilà, je lui dis tu vas dormir, repose-toi, on la refera une prochaine fois. Donc voilà, je vais tout simplement refuser de faire cette vidéo avec moi parce que tout simplement je pensais qu'il était trop important que Momo aille dormir parce qu'il était vraiment crevé. Mais quand je vous dis il était mort, il était en mode... Il dormait, Abdel, on fait quand la vidéo? Et du coup à la fin je lui dis allez viens, ramène ta poire. Et il était là en mode dans le ciel, j'étais en mode... Oh là là. Je lui dis allez lève-toi dégage, va dormir. Je lui dis allez va dormir. Mais j'étais mort, ouais. Je lui dis va dormir, donc voilà, il a pas fait la première avec moi. Mais en tout cas voilà, première petite vidéo gaming dans la nouvelle maison. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à exposer la barre des likes les frères, je compte sur vous pour une petite suite avec Momo. En tout cas, apprêtez-vous aujourd'hui à rigoler. À mon avis, entre les accidents de Momo, le fait qu'il va pas réussir à conduire et le fait qu'à mon avis, il va faire pas mal de petites conneries aussi au niveau des passagers et à mon avis aussi Momo va pas réussir à rendre la monnaie correctement, si. Ça va être le bordel. Bref, ah si, d'accord, tu me défies devant les abonnés. Ouais. Ok, vous avez entendu les frères et sœurs? Si, ok, vas-y balance. Alors, je vais t'envoyer ça, charger la compagnie tout simplement, hop. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, on est dans le nouvel appartement. Voilà, on vient d'arriver, on a tout déménagé cet après-midi, ce soir. Ce soir, j'ai passé. On a passé une soirée. J'ai passé une soirée à tout déménager, quoi. Des écrans, des télés, la tour, tout remonter, la tour rebranchée, la PlayStation 4 avec la PlayStation 3, avec l'Elgato sur mon écran, Philippe sur mon écran d'ordinateur. Le PC à l'IA, oh là là. C'était une journée très mouvementée. On va voir, hein. Momo le conducteur de bus, là. Qu'est-ce que tu dois faire, là? Le frein à main. Il n'y a pas de frein, donc le frein à main, c'est P. Voilà. Alors, là. Non, voilà. Voilà. Ouvre la porte arrière aussi, il y a des gens qui veulent descendre. Voilà. Très très bien. Alors, lui, t'as dit deux normales, aller simple. D'accord. Deux normales, aller simple. Donc là, t'en as fait qu'un. Deux. Après, ça fera. Ok, c'est bon, nickel. Un normal, allez simple. 2,20€, donc je lui rends 80, je lui rends 3,20€. 3,80€, pardon. Donc, t'es sûr 3,80€? Ouais. Compte. Non. T'es sûr 3,80€? Ouais. Donc si, là j'ai 2,20€ et je rajoute 80 centimes, ça fait combien? 3€. Ouais, et si je rajoute 2, ça fait combien? 2€. Non. 3€ plus 2€, ça fait combien? 4€. 3€ plus 2€. Non, 3€ plus 2€, ça fait combien? 5. Voilà. Donc combien tu dois lui rendre? 3,80€. Voilà. Mais non, mais il y a 2€ là. Tu dois lui rendre 2,80€, Momo. Ok, donc 2,80€. Momo, attends. Là, ils doivent rigoler de toi, les abonnés, tout de suite. Là, c'est pas de ma faute, t'as l'air de faire le malin. J'ai fait un mal calcul. T'as fait un mal calcul. J'ai cru qu'il avait écrit 3,20€. Oui, t'as fait un mal calcul. En plus, il sait pas parler français, il démonte le français en même temps. Il donc 1€, 1€, 1€. Monsieur, vous voulez quoi? C'est bon, y'a plus rien. Attends, en fait. Attends. Tu viens de donner 3€, mec. Ouais. Momo, tu viens de perdre de l'argent là. Ah, désolé alors. Il fallait lui donner 2,80€. Pourquoi t'as une tête comme ça, tu comprends pas ce qu'on te dit? Je t'ai dit donne 2,80€. Pourquoi t'as donné 1€, 1€, 1€ ? Ah ouais, mais c'est où les pièces de 10 centimes? Bah ils sont juste à côté en fait, hein. Désolé monsieur, mais vous allez pas pouvoir travailler pour notre agence. Ça produira plus, je me... Désolé monsieur, vous allez pas pouvoir travailler pour la compagnie GMT, ça va pas le faire du tout. Je me désole. Hein les gars, qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez vous? Hein, et mettez-moi dans l'espace commentaire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Recule un peu. Voilà. Donc dites-moi vous, hein, qui faites quand même partie de la compagnie GMT, hein, est-ce que ce mec-là mériterait de travailler pour notre compagnie? Ou est-ce que ce mec-là risquerait de mettre notre compagnie en faillite? Vas-y. Ah oui les gars, parce que ça commence avec des 20 centimes, 80 centimes, et ça va finir avec des 20, 80 euros, 100 euros. Momo, avec une accumulation. N'importe quoi. Écoute-moi bien. Avec une accumulation de 80 centimes perdus par là, 1 euro perdu par là, 2 euros perdus par là, 5 euros perdus par là, 2 euros perdus par là, 80 centimes perdus par là. C'est en gros, les gens te disent que au prochain arrêt, ils veulent descendre. Ah ouais. Donc, tu sais déjà qu'au prochain arrêt, il faudra que tu ouvres les portes de derrière.
Je vais faire comme dans les cours. Ah, c'est bien, ça va, tu conduis bien. Tu conduis bien, frérot, c'est bien. Il faut quand même que je t'engueule, parce qu'il faut que je passe pour le formateur. Tu vois, il faut que je t'en mette un peu plein la gueule, mais bon. Tu conduis bien, donc ça va, là, tu me donnes pas trop de raisons de t'engueuler. Okay. Bien vu, ça. Allez, regarde les gens, voilà. Allez, mamie, ramenez vos fesses par là, et que ça saute. Faut pas avoir peur, mamie. Hé, hey, laisse la petite dame passer d'abord, mal élevée. Allez, simple, senior. Senior, attention, senior. C'est où, senior? Allez, simple, senior. Voilà. On va faire des calculs aujourd'hui. Attends, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi. Vas-y, vas-y. Avec les abonnés, on t'écoute. Les gars, on l'écoute tous ensemble. Entre frères et sœurs, t'as vu? Vas-y, on t'écoute. C'est 10 centimes, ça? Attends, qu'est-ce que tu viens de faire, en fait? Il m'a donné 1,20€. Donc, je devais prendre 4,60€. J'ai pas vu ce que t'as fait, mais vas-y, je vais surveiller ce que tu fais parce que je regarde les abonnés dans la caméra, mais je crois qu'en fait qu'il faut que je te surveille toi en fait. Journalier, c'est marqué journalier, normal, voilà. Combien tu lui rends là? 6. Va doucement. 6. Non, Momo. 9, et là je lui rends 40 centimes. Voilà, c'est où les centimes? C'est là? Oui, non, à côté. Voilà, 20 et 20. Sinon, est-ce que t'aimes bien ce jeu? Ah, je kiffe, je suis en love là. D'accord. Oula. C'est un petit trottoir. C'est rien du tout, t'inquiète pas. Monsieur, qu'est-ce que vous faites sur le trottoir avec le bus là? Le bus magique. Y'a personne qui. Ah, si, y'a des gens qui. Allez, montez. Alors madame, je vais vous donner... Étudiant, allez simple. C'est où étudiant? Donc tu vas déjà dans allez simple. Ah ouais, un voilà. Étudiant. Voilà, wouhou. Après qu'il ait fait 3 arrêts, il sait toujours pas où c'est. Attends, étudiant, alors t'en as déjà servi des étudiants. Elle va donner des pourboires, il faut lui dire des compliments. Voilà, regarde. Madame, vous avez une très belle peau. Et vous avez des très belles cuisses d'ailleurs. Ouais. C'est quoi que vous utilisez comme rasoir? Gillette. La perfection au féminin. Commence déjà par rembourser d'ailleurs la petite somme. Elle te donne 5€, t'as 1,40€. Donne-lui d'abord 60 centimes pour arriver à 2€. Tu aurais pu faire 50 et 10, hein, mais bon, c'est pas grave. 60, c'est bon? Non, ouais, t'as donné 60 là. D'accord. Ouais. Maintenant, avec les 60 centimes, t'es à 2€. Tu as donné combien? 2€. Rajoute-lui encore une dernière pièce. Et toi, arrête déjà Pokémon Go là! Monte dans la voiture, allez, je vais te tirer les cheveux! Là, tu vois lui. Arrête, range ton carapuce là, calme-toi! Wesh. Oh! J'ai ce que tu veux, c'est bon, il a acheté. Check est vendu, 2,20€, c'est bon. Je peux râler là? Oui, tu peux y aller, ouais. C'est quoi ce bruit? Je sais pas. Je crois que c'est maman. Allez, c'est parti, on y va. Allez. J'ai entendu un bruit super chelou. Je sais pas si vous aussi vous avez entendu un bruit super chelou. C'est vrai que c'est ma mère qui marche à côté avec ses chaussons en fait. Et vu que c'est du. C'est comment ça s'appelle ça parquet. Déjà du parquet, bah on entend très très bien en fait ce qui se passe. Faut que j'accélère là, je suis en retard de 1 minute. C'est comme Mirza les frères et sœurs. Ou alors on a prévu de lancer des chaussettes. T'entends, c'est pas comme ça, c'est un truc de ouf. En nous, voilà, petite fenêtre. Y a quelqu'un qui veut descendre? Une fenêtre? Un peu en retard. Oh, ça va, c'est bon. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Y a personne qui veut descendre. Normal à l'estampe, monsieur, s'il vous plaît. C'est comme si c'était moi qui te demandais. Y'a pas de soucis, mademoiselle. Monsieur, excusez-moi. Pardon? Vous voulez quoi? Donc, monsieur, je voudrais un aller simple, s'il vous plaît. Normal. D'accord. Pas de soucis. Ça vous fera 2,20€, s'il vous plaît. D'accord, tenez 5€, monsieur. Commence d'abord par l'arrière. Donc, combien tu lui dois là? 80 centimes. Exactement. Donc, file du 80. 50, 20 et 10. Voilà. Donc, tu l'as filé, c'est 80 centimes. Maintenant, tu te retrouves à 3€. Donc, maintenant, tu lui rajoutes 2€. Voilà. Apprends les maths avec tonton. Mais je savais, c'est parce que... Vous voudrez quoi, mademoiselle? Un normal hebdomadaire, s'il vous plaît, monsieur. Non, tu dis... Un normal hebdomadaire, s'il vous plaît. Un normal hebdomadaire, s'il vous plaît, monsieur, merci. Pas de soucis, mademoiselle. Vous avez un très beau corps, vous avez des formes. Ah, merci. Oh, je suis fou, là. J'ai pas entendu. Du coup, est-ce que vu que vous êtes fou, vous pouvez me la faire moins cher? Alors, un normal hebdomadaire. Donc, tu vas dans hebdomadaire, déjà. Voilà, et normal, voilà. Ça vous fera 33€, madame. Eh, mais c'est cher, monsieur, dis donc. Il y a pas tout ça. Comment elle t'a passé, là? 35€. Donc, tu dois lui rendre 2€. Oh my god! Oh my god! Le beau gosse, il est là. Regarde. Psst, il a eu peur, t'as vu? Non, il a pas eu peur.
C'était nul. Des fois, j'ai envie de lui mettre des coups de coude en vidéo. Oh, la peureuse, elle a fait ah, monsieur, ne m'écrasez pas. Bon, ça va, il a très très bien joué. Même si pour moi, il ne mérite pas du tout. Hein, je vous le dis tout de suite, autant que, pas autant que frère, mais autant qu'examinateur. Ce monsieur est un danger hein, pour quoi l'humanité. Ce monsieur est un danger pour les passagers. Ce monsieur est un danger pour la famille, les parents, les enfants qui sortent des écoles. J'ai calculé. Ce monsieur-là, on lui donnera absolument pas le droit hein, de rentrer dans notre entreprise, la GMT Corporation. Voilà, tu rentres pas dans mon entreprise, je suis désolé. S'il te plaît. Non. Je sais compter les sous. Non. Tu sais compter les sous? Non mais tu rigoles? Il rigole là. Il sait même pas compter les sous en plus. T'es nul. Ah il est nul. Ouh il est nul. Ouh il est nul. T'es une victime. Tu crois que c'est marrant? T'es une victime, mon gars. Je chaussette. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'as mis une baffe. Non, mais c'est une petite. C'est une petite. Chaussette. Crotte. Aïe, aïe, crotte de lapin. Aïe, aïe. Bon, bref, les frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un maximum de j'aime, je compte sur vous. Pourquoi pas vous refaire une petite suite éventuellement qui sera normalement plus intéressante que celle-ci. Parce que celle-ci, en fait, je vous montre un tout petit peu, on a fait que traîner en ville, donc ici. Enfin, on a fait que traîner dans ce petit secteur. La prochaine, on essaiera vraiment d'aller percer un peu en ville. Vous voyez, on essaiera d'aller un peu ici, vous voyez, on essaiera vraiment d'aller en ville. Donc voilà, la prochaine sera normalement plus sympa. Je vais essayer de voir un tout petit peu comment on fait pour aller bosser un peu en ville. Il faudrait que je vois un tout petit peu, peut-être qu'il faut faire quelques missions ici avant. Et qu'il faut les réussir surtout, hein, parce que bon, il ne s'agit pas juste de faire des missions, mais il s'agit aussi de les réussir. Bref, en tout cas, si vous avez aimé, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre le beau petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager, la commenter et vous abonner pour plus de vidéos. Prenez soin de vous et de votre mifa comme d'habitude. Ciao.